Réponse depuis le ministère parce qu'il nous a envoyé une lettre au ministère de l'Agriculture, etc. Et nous aussi envoyé une lettre au Premier ministre, donc nous pouvons expliquer une réponse. Et donc ce qu'il nous peut faire aujourd'hui, nous peut manifester parce que tant qu'il ne voit pas trop de changement, nous continuons à manifester. Donc nous peut envie qu'il y ait plus du monde qui nous autres ici rejoignent dans notre cause. Nous aussi comprendre pourquoi nous concernons pas le changement climatique, mais aussi qu'il y a un bon changement par rapport à l'échelle de tous, à l'échelle individuelle, côté du secteur privé, au gouvernement, etc. Parce qu'il nous besoin qu'il y ait tout le monde dans la main pour qu'ils soient capables de faire un changement. Donc nous, ce qui nous permet ça, c'est qu'il nous touche le maximum de personnes, mais aussi qu'il nous gagne pas mal de réponses de différents secteurs. Donc malheureusement, on a déposé la lettre au ministère de l'Agriculture ce matin parce qu'il va trop galérer temps avec l'organisation et tout. Mais par rapport au ministre, au Premier ministre, ben non, on n'a toujours pas eu de réponse, qui est marre décevant parce qu'il nous fait fight pour une good cause, pour l'avenir de l'île Maurice en fait, et nous fait expliquer qu'il écoute le peuple parce qu'il est notre Premier ministre et il est supposé écouter la voix de Van Jeune. Donc ça allait un petit peu décevant, mais il nous explique qu'il répond nous. Qui m'en demande par exemple une fois. Déjà, le médecin demande pour qu'ils se réforment la loi et qu'ils se inclus dans l'affaire par rapport au changement climatique, mais aussi à l'environnement dans la... Jeunesse peut lever! Jeunesse peut lever!